Je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le jeudi 9. Alors ce matin c'est très dur pour moi, victime d'un cambriolage hier soir. Mes trois enfants ont quasiment perdu toutes leurs affaires, les DS, les tablettes. Mes deux filles ont perdu leurs bijoux, leur maquillage, une bonne partie de leurs vêtements. Ma grande, qui a 20 ans, travaille en plus de ses études pour se payer le permis. Elle avait réussi à économiser 300 euros, les 300 euros envolés. Je suis complètement dépitée. J'aimerais tellement faire quelque chose pour pouvoir leur rendre tout ça. Je sais pas quoi faire. Franchement, moi qui leur apprends qu'il faut travailler dans la vie pour avoir quelque chose. Et là, des minables s'introduisent chez eux, dans leur domaine. Et dans leur intimité. Et leur prend tout en moins de 2 heures. C'est tellement dur. Enfin voilà, la vie est tellement injuste. Je sais pas. La police, bien sûr, va rien faire. L'assurance ne va rien rembourser, forcément. Puisque de l'argent liquide ou des jeux, machin, tout ça, pour eux, ça n'a aucune valeur. On n'a aucune preuve qu'on avait tout ça avant. Donc, ils nous ont dit qu'il fallait pas compter dessus, en fait. Voilà. Est-ce qu'on soit remboursé de tout ça? Donc ce matin, j'espère que vous comprendrez que j'ai pas la tête à ouvrir le calendrier de l'Avent. On fera ça dans l'après-midi. Faut que je me remette un petit peu. J'ai pas dormi cette nuit. Voilà. Je sais pas si j'ai posté cette vidéo ce matin, mais je tenais quand même à la faire pour vous expliquer quand même. Parce que un vlogmas, je pense que c'est ça aussi. On partage. Donc on partage tous les bons et les mauvais moments. Et la vie nous met tellement de bâtons dans les roues que c'est incroyable. Franchement, je sais pas. Donc j'ai une amie qui m'a conseillé d'ouvrir une cagnotte litchi pour essayer de rendre un petit peu ce qu'on peut aux enfants. Alors, j'ai essayé de voir ça dans la journée. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Voilà. Je sais pas si vous vous y connaissez, si vous savez, si vous pouvez me conseiller. Voilà. En attendant, moi, je vais travailler parce que la vie continue malgré tout. Et, tout à l'heure, donc, on va décorer le sapin avec Alice parce que la petite elle y est pour rien et hier je lui ai promis son sapin, donc elle va avoir son sapin, il n'y a pas de souci. Voilà, et nous on se retrouve vers 14h comme d'habitude. À tout à l'heure.
Calendrier de l'Avent du jour. Donc nous sommes le 9. On est un peu de travers là, j'ai l'impression. Hop, voilà, c'est mieux. Alors, donc le numéro 9 du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Wood bark, bark en bois. Voilà. Donc, je pense qu'on va continuer dans les marrons, hein, dans le dégradé. Hein. Oh, oh non, c'est joli. Il y a du, oh, il y a du orange avec du. Ah ben là, alors là, vous allez rien voir du tout. Si je vous montre. Ah, comme ça, oui. Comme ça, c'est bien. Là, vous l'avez. Voilà. Donc c'est un marron très très clair avec des speckles de orange dedans. Magnifique. Donc je vais aller bobiner ça. Et puis commencer tout de suite à l'indice 9. Hop. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a même des speckles roses dedans. Faut que je vous montre ça. Je vais vous changer de place parce que là, vous ne voyez rien. Hop, ici, ce sera peut-être mieux. Oui, c'est mieux. Alors, est-ce que vous voyez les speckles roses? Là. Ici également. De l'orange. Dans le marron. C'est vraiment très très joli. D'autres speckles marron. Là on les voit bien. Vous en avez deux beaux là. Un là et un là. Dessus encore. Il y en a partout, ils sont cachés dedans. Ils jouent à cache-cache, les petits speckles. Alors, bon, je vais aller bobiner ça. Voilà, donc le résultat. Jolie petite boulette. Avec des petits speckles bien cachés. Voilà. Alors, ensuite, le calendrier des petites potions. Donc le numéro 5, c'est Alpaca Merino Coton. Voilà. Et mine de rien, celui-ci avance. Hein. On est déjà à un tiers. Oh là là. Oh ça, c'est magnifique. Alors ça, c'est tout à fait mes couleurs. J'adore. J'adore, j'adore. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, mais pas que. Du vert. Du... un peu de marron aussi. Est-ce que vous voyez bien, là? J'ai pas l'impression. Attendez. Si je vous mets comme ça. Hop là, je vous fais tomber, c'est malin, ça. Ah, il y a des jours. Alors, non, on voit rien. Ah, comment? Ah, là, c'est bien, là. Comme ça. Là, vous voyez bien. Voilà. De jolies couleurs. Alors, c'est une douceur incroyable aussi. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Ah ça sent bon en plus. J'adore. J'adore sentir la bête. Voilà. Jolie fibre, toute douce. Bon, filage, j'ai du boulot. Hein. Oh là là. J'ai du boulot. Je pense que je vais me faire ça tranquille au mois de janvier, une fois que le MCAL sera terminé. Là, je pourrais reprendre 10 minutes tous les jours.
Une jolie fleur. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes quiz. Hop là, la main. Alors, ouf, mon dos, je me suis baissée trop longtemps. Donc, oh, on voit le petit sapin là-bas. je vais aller tricoter parce que là j'en ai vraiment besoin. Voilà, avec mon petit café. Ouais, c'est pas bien, je sais. Mais tant pis, c'est bon pour le moral. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. C'est un. Toutes les parties se collent à base de scotch double face. Donc la première face facile à coller. Sauf que je suppose que vous avez peut-être jamais fait attention, ou peut-être fait attention, je ne sais pas, mais je n'ai pas d'ongles du tout. Surtout en ce moment. Parfois j'arrive à en avoir un, deux. Là j'en ai pas un seul. Donc décoller du scotch double face sans aucun ongle. Voilà. Donc en fait on a fait ça comme des pros, c'est-à-dire que moi j'ai. Alors, Coller je les scotch aux suis endroits où il fallait les dans coller. la Ensuite, je transition pliais une entre pièce vide et je l'indice les mettais surtout sur 8 et l'indice le 9. collage des pièces ensemble parce qu'il fallait enlever les Alors, scotch. je regarde si je ne me suis pas trompée de couleur parce qu'elles sont assez Pour un truc qui est censé similaires. prendre 5 heures, on a mis 3 heures. Je pense qu'on peut être assez fier. Si, je Les crois que je me suis trompée de couleur. cornes, les bois, Non, on c'est a un bon, c'est tout petit ça. peu galéré à faire Ouf. parce Tout va que mal c'est pas ce qu'on aujourd'hui. faisait. Il y a des chiffres qu'on met Il ensemble, mais en fait, y a des jours, hein, comme ça. on savait pas trop ce que ça allait donner. Pardon, mais voilà. Voilà. Voilà, c'était l'activité d'après-midi, Alors, hein, fin d'après-midi. S'il y avait un je petit verre termine d'eau, mon rang et je vous montre le donc je résultat. crois que c'est la centième fois que je dis donc, juste là depuis que j'ai rallumé. Je vais maintenant Donc, la transition se aller fait finir au mon pain filage mousse parce que demain en je vais alternant pocher deux des petites rangs potions. Donc de couleur A soyons et à jour, deux soyons rangs à de jour. couleur B. Voilà. Se fait une bonne journée, reposante, créative, avec des objectifs terminés, ça c'est très agréable. Et puis voilà, Alors, je par pense rapport à ce que je vous ai dit qu'on ce peut s'arrêter matin, là sur déjà cette très désolée, je n'étais positive. pas du tout en N'est-ce forme. pas? Je ne vous montrerai pas mon On m'a filage ce conseillé soir, vous le donc verrez dans le, sûrement dans le, comment on dit, de dans créer une l'image du début, cagnotte mais je pense que ça ne va pas se litchi. voir, je vous en parlerai un petit peu Donc, plus comme je ne demain. connaissais pas, Voilà. je suis allée voir un peu de Je quoi vais ils vous sont laisser là, comme retournés. ça peut-être que ce vlog Bon, j'en ai finalement créé va une. paraître Donc, tôt, vu ce que je disais hier, on mais verra il est bien. paru donc ce matin, Je me dis, je n'importe quoi. connais plus de 500 Mais personnes. voilà, mon tirage de ce matin Si chacun met ne était serait-ce qu'un voilà, petit euro, plutôt aidant, effectivement, les tirages de ça cagnotte. fera déjà beaucoup. Ce On est sera une d'accord. bénédiction la journée et ce fut Bon, une bonne après, journée. Voilà. je sais On se très bien retrouve demain. que tout le monde J'espère ne que va cette pas mettre vidéo un euro. vous aura plu. Même un Et euro. puis on continue le vlogmas, on est bien Voilà, mais parti. c'est pas grave, Bonne hein, je ne semaine de demande rien à vlogmas, il reste personne. encore deux, donc pas mal. C'est. Donc c'est top. Voilà, ce que j'aurai, Bientôt mois et demi. je le partagerai entre mes enfants. Ouais, merci d'être là, merci de tous vos Et commentaires, puis, franchement puis c'est voilà super quoi. sympa. Moi, En je kiffe essayant de de tous les jours vos commentaires, je vous réponds faire un même dans la maximum seconde pour prochaine. Et puis je vous réponds un pas mail leur faire après quoi, oublier donc parce que voilà, merci d'être là et bonne journée bah, quand demain. on rentre dans Dans une la joie, bonne humeur chambre où pour un tout est quiz. retourné, c'est vraiment un peu traumatisant. Bah, forcément. Ils s'en souviendront, hein. Surtout que ben, il leur manque plein d'affaires, hein. Concrètement, tout ce qui est électronique et qu'il y a dans une chambre d'ado, ben, c'est parti. Donc, ben, tout ce qui est enceinte, tablette, téléphone portable, non, parce qu'ils les avaient sur eux, forcément. Les ordinateurs portables ne sont pas partis non plus parce que bah, je suppose que les cambrioleurs se sont doutés qu'il y avait des mots de passe, donc ils n'ont même pas essayé de les prendre. Mais bah, mon fils a perdu sa DS, sa trottinette électrique aussi. Les filles de grande ont perdu pas mal de vêtements, des bijoux. Du maquillage, enfin tout ce qui est crème de jour, tout ça, c'est parti, des bijoux. Et puis ben, je vous dis, ce matin, ma grande, qui avait travaillé dur pendant les grandes vacances, en plus de ses études, pour se payer le permis, avait réussi à économiser 300 euros déjà.
et envolée, quoi. Voilà. Donc elle est franchement dégoûtée. C'est quand on dit à ses enfants, puis moi aussi, parce que je leur dis tout le temps, il faut travailler pour avoir quelque chose dans la vie. Et elle a travaillé. Et puis en moins de 2 heures, des vauriens viennent tout prendre. C'est moche la vie. Alors, bon, changeons de sujet. Voilà donc la section d'hier que je vous avais montrée, mais on voyait pas bien dans le noir, hein. Et la section, donc le coloris d'aujourd'hui. Alors c'est très fondu, hein. C'est pour l'instant, il n'y a pas trop de différence. Je pense que la différence, elle sera surtout dans les speckles. Voilà. Donc, elle a l'air un peu plus jaune aussi par rapport à hier. Donc, je vous remontrerai ça un peu plus tard. Je vais faire quelques rangs. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, c'est Sandrine. Je vous reprends pour vous montrer l'indice du jour. De très jolies torsades, je le trouve magnifique. Le coloris. Il n'y a pas trop de différence en fait avec la base d'hier. Donc ça poursuit le coloris en fait. Par contre, j'ai pas eu assez pour du coloris d'hier pour finir le dernier rang là. Vous voyez, à partir d'ici, en fait, j'avais plus de fil d'hier. Donc j'ai repris celui-ci, j'ai repris. Parce que je trouve que là, dans celui d'hier, en fait, les speckles ressemblaient beaucoup au coloris là. Donc j'ai fini. Mais je trouve que ça ne se voit pas du tout, en fait. Parce que de l'autre côté, on a la même chose. Et je trouve que ça finit très bien, en fait. Voilà, je vous le montrerai demain à la vraie lumière, mais moi je vois pas de différence. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain pour une autre journée qui sera meilleure à aujourd'hui, j'espère. Il n'y a pas de raison, hein. Ça ne pourra qu'aller mieux. Voilà, donc on se retrouve donc demain vendredi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de me suivre, des commentaires que vous me mettez, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est franchement ce matin, je me demandais si j'allais tourner cette journée de Vlogmas. Et puis je me suis dit oui, il faut qu'il soit au courant et puis voilà quoi, la vie c'est la vie, hein, c'est la vraie vie comme on dit souvent dans les podcasts. Eh bien la vraie vie n'est pas toujours rose et aujourd'hui en a été la preuve parfaite. Voilà, donc désolée si mon humeur n'a pas été au top comme les autres jours. On m'a fait remarquer hier que j'avais un joli sourire et je vous en remercie. Aujourd'hui, vous ne l'aurez pas beaucoup vu, mais demain, je ferai un effort, promis. Voilà, pour que vous retrouviez mon sourire. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.